En 1993, l'association Comptoir des Arts, ayant pour objectif d'organiser des activités culturelles et éducatives axées sur l'image, lance l'exposition Moisson d'images. Aujourd'hui, pour la 23e édition, c'est 20 expositions photographiques qui seront présentées dans 16 lieux de la ville de Lamballe, dont le jardin de l'hôpital, le parking d'Intermarché, ainsi qu'aux médiathèques de Plétemps, Plénéjugon, Saint-Glain et Iffignac. Bienvenue pour la vernissage de cette 23e édition de Moisson d'images. Alors à cette occasion, on a choisi en fait une exposition qui a été faite par différents membres de l'association. Ouais, 7 ou 8. Donc un peu sympa, puisqu'en plus il y a des petits messages, vous avez pu la découvrir. Mais c'est toujours très difficile, hein, c'est toujours un peu compliqué de choisir. On vit des périodes qui sont certes pas simples aujourd'hui chez nous ou dans le monde entier. Et on pourrait avoir des tentations un petit peu de repli et de revenir seulement à l'essentiel. Bah, si on doit revenir à l'essentiel, je pense que l'art, la culture sont des essentiels dans ces moments-là. Je crois que c'est important de le mettre en valeur. Il présente cette année Cap sur les îles. Voilà, on n'a pas fait tout ce que Mathurin Méheu a fait, mais on s'est contenté de Ouessant. On aurait pu faire aussi Saint. Mais on avait déjà fait l'île de Saint il y a 3 ans, je crois. Donc cette expo sera à la mairie à partir du 6, puisqu'actuellement il y a une autre expo qui est en train de se mettre en place, qui se met en place aujourd'hui, qu'il faut aller voir aussi. Donc c'est pas forcément de la photo, c'est plein d'activités, c'est réalisé par des enfants. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi les petits messages, les petites pensées qui sont en dessous, parce que c'est aussi ça, c'est aussi faire réfléchir un petit peu. Voilà, bah écoutez, bonne visite à tous et bon succès à toute cette démarche et à ces expos, parce que vraiment ça le mérite. Voilà, et bonne soirée à tous. C'est donc dans de nombreux commerces et lieux publics de Lamballe, ainsi que ses environs, que vous pourrez retrouver jusqu'au 2 octobre les 20 expositions de cette nouvelle moisson d'images autour du monde.